Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du module compteur bar qui permet d'afficher des chiffres avec ou sans pourcentage dans une ou plusieurs barres. Donc bien sûr vous allez créer une page, vous allez construire à partir de 0,1 ou alors vous allez l'intégrer dans une mise en page et on va créer deux colonnes histoire de le mettre sur la colonne de gauche et de pouvoir voir le module sur la droite. On va cliquer sur le moteur de recherche en cliquant sur compteur bar. Donc on voit qu'on a notre première barre qui est ici. Et on va pouvoir la paramétrer en cliquant sur la roue crantée. Dans le titre, on va insérer un titre. Donc on va par exemple mettre en place des barres pour montrer mes compétences. Donc je vais parler de marketing digital et je vais spécifier le pourcentage de mes connaissances à 87%. On peut mettre un lien sur la barre qui renvoie vers une page ou vers un article et changer le fond éventuellement en orange pour le différencier de la barre. On va repasser en grisé. En cliquant sur les trois boutons, on fait apparaître beaucoup plus de couleurs. Donc on peut sélectionner la couleur que vous souhaitez. Là, on peut éventuellement mettre un dégradé de fond, sauf que sur une barre, c'est pas très visible. Donc on va l'annuler. On peut mettre éventuellement une photo en fond ou alors une vidéo en fond, mais c'est extrêmement étroit. Donc dans l'onglet style, on va pouvoir travailler sur le compteur en barre. Donc on va pouvoir changer la couleur de fond de la barre, passer en noir par exemple. Le texte, on va pouvoir le centrer, le mettre à gauche ou le mettre à droite. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur le titre en changeant sa taille, en changeant sa couleur, en le centrant ou en l'alignant à gauche ou à droite. On peut aussi travailler sur la hauteur de la ligne. On va pouvoir changer la couleur des chiffres, augmenter sa taille, augmenter la hauteur du pourcentage, ce qui va augmenter la hauteur de la barre. On peut travailler sur les dimensions, donc on peut réduire la barre, éventuellement on peut la centrer. La mettre à gauche ou la mettre à droite. On peut travailler sur la hauteur minimum, sur la hauteur maximum, sur l'espacement en mettant une marge externe et une marge interne pour faire décaler le chiffre vers l'intérieur. On va pouvoir travailler sur la bordure en mettant un pixel et en changeant la couleur de la bordure. On peut travailler sur le style de la bordure en pointillé, on peut mettre une ombre, travailler sur sa position et régler aussi la force de l'ombre. On peut mettre son ombre en couleur. On peut aussi travailler sur des filtres si vous avez mis une photo à l'intérieur de la barre.
et faire des animations avec transformer. Ensuite, dans le troisième onglet avancé, on va pouvoir mettre des identifiants du CSS pour les webmasters confirmés. Travailler sur la visibilité, les transitions sur le poste, en mettant le poste soit en position relative, en position absolue ou en position fixée. Et puis, on va pouvoir mettre des effets de scroll lorsque on descend ou que l'on monte dans la page. On va pouvoir aussi travailler sur l'ensemble du module. On retrouve l'ensemble des onglets, que ce soit le contenu, le style et l'onglet avancé. Quand on a terminé de paramétrer le module dans sa globalité, on peut revenir sur le module, cliquer sur la roue crantée et ensuite rajouter d'autres barres avec le signe plus. Et à chaque fois, il faut retravailler sur le style. Ou alors cliquer sur l'icône dupliquer pour dupliquer le style et puis changer les paramètres à l'intérieur. Donc sur chaque règle, vous devrez cliquer sur la roue crantée pour changer le titre et le chiffre. Voilà le rendu final. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo sur YouTube ou alors sur l'article de mon répondeur automatique.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo.